هز زول في اللون نقلها خصي فونت نيسو بوان نساد نسوتوني ماسي تاشور ان شاء الله هذا يربح الفلاون اثنا ساقي نساد نواليه مثلا ماسي سي مون بتي فرير on le soutient toujours et j'espère qu'il va toujours conserver sa ceinture inchallah il va aller plus loin et qu'il garde la pêche aqla de feres ثاني مرتنوان لي جين à la boxe. الخير في اللون الساقي روح اخذ ان شاء الله كاتب الدار في ماتشي كيما ان شاء الله سي سون شامبيونا ان شاء الله هذه في هذه اللي ان شاء الله يبا غاني السوار فوالا الوغ اوني فيير دونك شو اوسي انسيان شامبيون دو فرانس بليزيور فوا فيس شامبيون دوروب الزول في اللون بربر تي في قلع نصدر ذاك فونتني سو بوا وكنا نولي ما 6 شهور الساقي يسعى الماتش ان شاء الله هذه يربح سي البنيه ونسارة مس هذه الجاردي التيترينس يقبى ياكو هنا ندقى عطاس قلنا ذي مدوكاليس ذي مويانيس ذي مثنيس الحمد لله الساقات مستوتوني ان شاء الله هذه هذه الجاردي تيجو التيترينس الزول في اللون صحيح الزول في اللون برد في تي في بون اقلا ذاك فورت نيسو بون نساد دار ذا انسوتيني ماسي تاشور ان شاء الله هذه قرز ان شاء الله هذه يربح ان شاء الله Rachid, il est là. Non, oui, mais il est là-haut. Là. Je sais qu'elle a la ceinture de. Elle est là. Parce que. Le jeu. Divine. Insane. Bon, bravo. Bon, bravo. Bon, bravo. Bon, bravo. Bon, bravo. Bon, 63 kilos à la pesée. Lucho Fandazo. Il sera opposé aux sociétés de la team La Pouille. C'est sa première défense de titre. Merci. Azul Fellawen, voilà, je me présente Rachid Amani, Miss Lotif Hamani. Donc déjà, je voudrais féliciter Masi Tachour. C'est vraiment une fierté, c'est vraiment, ça fait plaisir pour la Kabylie, pour les peuples entiers. Ça fait plaisir pour la famille Inès. Donc, Inch'Allah, il va continuer à monter les titres. Et on lui souhaite tous de réussir, on lui souhaite tous, Inch'Allah, le championnat du monde. Donc on est tous ensemble. Je m'entraîne avec Massi Tachour, avec Mouloud Teboul, on s'entraîne tous ensemble, donc on est solidaires. Donc je félicite Massi Tachour beaucoup et Inch'Allah, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Inch'Allah, je lui souhaite une grosse un championnat du monde, Inch'Allah. Ça arrête à tous. Champion Massi,
qui représente la boxe dans notre ville, à Fontenay-sous-Bois. Voilà, il représente toute la France quand même. Et il est champion d'Europe. Et en même temps, il a porté, il garde sa ceinture. Il garde bien sa ceinture cette fois-ci. J'espère qu'il sera toujours champion. Et on est très, très fiers de lui. Et pour il nous a porté ce championnat pour notre Kabylie et pour à tous les Berbères de France. زولف لون سالفرح هذا مقراني دلو سال لقي انفرج ماسي ساقيني On est très content, très heureux parce que nous représentons tous à Fous de Fous toute la Kabylie. Et aujourd'hui, il défendait son titre de l'Union Européenne. Donc Massi, c'est un grand champion à nos yeux. Et aujourd'hui, on est là avec la team Zaïm et ainsi que le grand frère Kamel Amran, Amani Rachid et moi-même Moulu Teboul. On est ici présent pour encourager Massi, pour l'encourager pour aller plus loin. Et on est fiers de lui, franchement, de son parcours. Et aujourd'hui, il a fait un très très bon combat. L'Italien, il était vaillant. Et Massi a gagné au quatrième round. Franchement, c'est super par KO et on est très fiers. Et je vous passe... Azoul. Je me présente Zaïm Majid, alias Malou, donc ancien boxeur professionnel, maintenant entraîneur. Donc nous sommes allés en Kabylie en 2003, 2006, 2014. Et je voulais féliciter la famille Tachour, Karim, c'est ça C'est Massil, Massil Tachour. Hein Massil. Massil. Massil Tachour, félicitations pour son titre.
Et Inch'Allah, il va le redéfendre ou il va faire un championnat du monde, Inch'Allah. Tous des enfants des Mazerun. Nous sommes fiers de représenter la Kabylie en France. Nous sommes avant tout des enfants de l'immigration, où nos parents sont arrivés en France. Ils nous ont apporté une grande éducation. Moi, j'ai perdu mon père. Je représente mon père. Le nom, c'est Zahem. On connaît le nom Zahem, c'est le leader, le chef. Donc on essaye d'honorer le nom à travers la France pour la Kabylie. On essaye de travailler beaucoup avec l'Algérie. Je suis un des plus grands créateurs d'événements en France, mais le cœur, il est chez nous. Et j'avais un objectif. Maintenant, il est à côté de moi pour le papa Lucy Famani, qui a été un grand, grand champion. Je voulais m'occuper de son fils et apporter un titre à son fils. Voilà, qu'il puisse au moins le prendre dans ses mains. Et ce serait, voilà, aujourd'hui, c'est presque un échec pour moi parce que j'aurais rêvé d'avoir Rachid Amani dans ma carrière. Et au moins, peut-être mon jubilé, terminer avec Rachid et l'amener au plus haut niveau. Donc voilà, il est à côté de moi, Inch'Allah. Lucif, je t'embrasse, t'es venu chez nous dans les Ardennes, tu nous as fait plaisir. Je te voyais à la télé. Ah bah, alhamdoulilah, on souhaite que tu es bien entouré autour de la famille. Et si je vais au bled, t'inquiète pas, on passera te voir. Ça arrête. Je voudrais dédicacer aussi à Massi Tachour. Hein. C'est une fierté de voir le port du signe Mazerun sur son short. Et surtout rentrer sur la musique de Matoub. C'est une grande, grande fierté pour nous les Kabyles. Le groupe est par le GPA 12h.
D'abord, un combat de Xayen. Le titre qui était ça. Donc, il y avait plus de pression, il y avait davantage de pression le côté nord. Donc, j'ai fait voilà, c'est tant mieux. Maintenant, c'est l'année à dire, c'est un chemin malouin, Inch'Allah, l'année à dire, l'étape suivante, Inch'Allah. Donc, toujours l'entraîneur sur le ring, sur la chanson Matou Blounès, à Qatar, Delgazik Tsunaran, Flizy Dine, Fskovayet. Donc, Maslar Matou Blounès, qui n'est c'est qui de tasser le courage, ben je suis allé à la ring, ça tu m'excites. Donc, Maria Lering, c'est une force en plus pour bâcher d'avoir la victoire. Une déjà qui n'est mané ou la famille nord, il est occupé le marin. Et puis pour l'équipe des coachs, etc. Donc, voilà, je vais vous dire que la cabine entière.
d'avoir soutenu, de me suivre. Et nous avons un avec une grosse ceinture encore si elle est inchallah. Et bah, sinon, je remercie également les coachs nord, Mehdi Labdouni, Abdoulaïka et tout le staff qui est avec moi, Rachid Labdouni. Et également, je tiens aussi à remercier Mohamed Belkacmi également de Gzikine, il m'a préparé physiquement, de ma préparation physique. Donc, je le remercie. Pour finir, l'équipe Berber TV, depuis le début de mon titre de champion de France et de mon titre, de mon premier titre de l'Union européenne, vers tout la Kabylie. On dit naturellement que nous allons faire de même. Inch'Allah, on dit car Inch'Allah, le meilleur, si elle est Inch'Allah, et tout le succès du monde, Inch'Allah. Je voudrais d'abord féliciter Massi. La dernière fois, on s'était fait une promesse commune. Lui m'avait dit qu'il la ramènerait. Et moi, je lui avais dit qu'on le ferait à Fontenay. Ça a mis du temps avec la crise sanitaire, mais ça y est, c'est fait. Et donc, on est très fiers. J'espère qu'on va pouvoir poursuivre. Et je lui souhaite en tout cas de pouvoir poursuivre. C'était un beau combat engagé. Massi, c'est un boxeur généreux. Je ne suis pas un spécialiste technique, mais on a vécu une très belle soirée de boxe. Et Massi fait partie des boxeurs qui s'engagent jusqu'au bout, qui donnent tout de lui-même. Et quand je suis passé le voir en début de soirée, il m'a dit « je suis détendu ». Il était impressionnant de sérénité et d'ailleurs ça s'est senti pendant le combat. Donc on est très fiers et on espère qu'on va pouvoir aller chercher le titre européen unifié bientôt. En tout cas, on fera tout pour et tout pour que ce soit à la maison. Et puis je voudrais saluer aussi évidemment... la team Labdouni, Rachid et Mehdi, parce que la soirée qu'on a vécue ce soir était extraordinaire. Tout le monde a passé un extraordinaire moment. Moment chaleureux avec les Fontenaisiens, chaleureux avec les familles des boxeurs et leurs amis et leurs proches. Et puis tous les partenaires privés qui nous ont soutenus ont joué le jeu. Ils étaient super contents. Et je crois que c'est un partenariat collectif. Dominique Natto qui mangeait avec moi et Jean-Philippe Lustig ont passé une très bonne soirée et donc Fontenay participe au développement de la boxe en France où c'est dur pour tous les boxeurs et donc on est très heureux d'avoir une soirée comme celle ce soir et j'espère qu'on pourra en avoir d'autres parce que c'était vraiment un moment populaire extraordinaire. Merci à vous et encore merci et félicitations Massi. Bonjour à tous. Ça fait maintenant depuis l'âge de 15 ans qu'on se connaît avec Massi. Il est arrivé à la salle sur la pointe des pieds en boxe loisir. Et puis pendant 2 ans, il a pris le temps de s'aguerrir, d'apprendre. Et puis à un moment donné, il est parti voir mon père en lui demandant s'il pouvait passer en boxe amateur. Et puis il a commencé tout doucement à rentrer dans un nouveau cadre. Il a fait ses 5 premiers combats en amateur, voilà, qui l'ont lancé avec 5 victoires. Et puis tout doucement, on a vu que chez Massi, il y avait de réelles qualités. Voilà, mental, physique, technique également. Et puis progressivement, au fil des années, on s'est aperçu que Massi pouvait franchir des étapes. Peut-être pas en boxe amateur olympique, puisque c'était peut-être pas un format qui était fait pour lui. Mais en boxe professionnelle, j'ai eu tout de suite le sentiment qu'il y avait quelque chose à faire. Et c'est pour ça qu'on a fait les choses au fil du temps, au fil des années. Et je suis fier aujourd'hui, fier de voir le parcours qu'il fait avec nous. Voilà, il y a des hauts, des bas, c'est aussi une équipe. Parfois, ça se passe bien, des fois, c'est plus compliqué. Mais le plus important, c'est que Massi, comme je dis, soit dans de bonnes conditions. Et je pense que voilà, que ce soit la commune, que ce soit nous au club, on essaie de tout faire pour que Massi puisse être le champion qu'il est. Voilà, tout simplement. Merci à vous en tout cas et je vous dis en tout cas à très bientôt.
Merci à Berber TV de suivre Massy et puis de nous suivre également. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir lors de nos prochains galas. Et j'ai un petit mot, bien évidemment, au village de Massy. Voilà, je sais que là-bas, il est très suivi, très regardé en Kabylie. Donc, on pense bien fort à vous. On espère, pourquoi pas, un jour, construire quelque chose là-bas. On en rêve également. Massy en rêve et je pense que c'est un rêve également au niveau de la team. Donc, on aimerait pouvoir faire quelque chose. À quel niveau, je ne sais pas. Une grosse ceinture internationale, je pense. Et que ça se fasse là-bas au pays, ça serait formidable. Voilà, en tout cas, merci de votre soutien. On reçoit beaucoup de messages à chaque fois, Massy également. Et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et je pense que Massy, ça l'aide énormément. Matt, les messages du soutien, partout la Kabylie. Ça me donne plus le jet. Je suis marié à la ring, j'ai plus de niaque pour leur faire plaisir, pour le bachat farhni ici. Voilà, ça ils ont donné 1000 on a tous à tous et mes tevam et yarb inchallah si elles jettent on va faire un travail pour amener une grosse ceinture inchallah 1000 on a tous à tous. Et puis il y a mon coach de toujours, Mehdi Labdouni. Je le remercie depuis tout jeune, un petit Tavan. Celui qui m'entraîne depuis 15 ans, 14 ans. Donc il travaille comme un deuxième père. Donc je le remercie. Il y a aussi également Abdoulaïka qui est au même moment depuis maintenant 15 ans. Et c'est l'un de Firou. Hamid Saki, Hamid Saki, Inch'Allah, si elle s'est dit, oui, Inch'Allah. Bonjour, on te dit, mon coach, Mehdi Labdouni, Nikhil Mslay. Je suis content de Massy, parce que ça fait très longtemps que je suis avec lui, ça fait depuis l'âge de 15-16 ans peut-être. Et c'est un bon élément, voilà. Et qui j'espère qu'Inch'Allah, qu'il va continuer à percer comme ça. Et je vous remercie.